Mais en fait, je me suis demandé pour les essayages, en fait, vu qu'on n'a pas vu encore le 7, on ne sait pas si ça va ensemble, non? Ou... Ils vont faire. Ok. On s'en fiche. On a des rendez-vous aujourd'hui? Oui, j'ai rendez-vous avec Alvéole. C'est un bureau de presse. Ouais. Donc voilà, à 17h, c'est à Ivry. C'est un peu loin, mais bon. Je pense qu'ils ont de bonnes marques aussi, Ok, trop bien. avec des vestes assez originales. On va relancer tous ceux qui nous ont dit au revoir hier, Carrefour. Ouais, aussi. Et hier, j'étais dans le mal, hein. Non, moi Hier, j'étais aussi. pas bien. Ah non, moi T'as eu aussi. la force d'aller sur Instagram, de trouver des marques? Oui. Mais moi, j'étais sur mon téléphone, j'étais là. Non, je Je peux pas, c'est pas possible. On va faire des relances auprès des marques. Moi, je me suis acheté à manger pour anticiper avant mes rendez-vous. Parce que hier soir, j'ai pas mangé. Donc, j'avais une grosse migraine. C'est l'heure de manger. Je me fais une petite salade. J'avais trop faim et je pense que hier j'ai pas mangé, j'avais pas mangé du coup, j'étais vraiment dans le mal et c'est pour ça que j'avais une migraine. Donc voilà. Faut prendre soin de soi. La santé c'est important. Vas-y. Chez Lacoste, j'ai tellement froid, j'ai trop besoin de soleil en ce moment et j'ai pas de bonnet pour me protéger la tête. J'espère que ce soir j'aurai pas une migraine. Je crois que bientôt je vais m'organiser un petit séjour, je ne sais où. Là, j'ai en tête l'Albanie. J'aimerais trop faire un road trip là-bas, mais apparemment c'est bien d'y aller en été pour profiter de la plage. J'avais pensé aller en Corée du Sud. Cet été, mais bon, il faut voir si j'ai le budget aussi. Rien n'est sûr. Mais en tout cas, l'Albanie et la Corée du Sud, c'est mes prochaines destinations. Et vous, vous pensez partir où cet été? Dites-moi. À chaque fois que je refais du stylisme et en plus elles sont toujours trop sympas. Je me suis habillée simplement et comme tous les jours. J'ai mis des chaussures parce qu'en talons c'est impossible. Et d'ailleurs hier j'ai grave galéré, ma mère elle a dû m'aider pour enlever mes chaussures. Même mon fils il me disait mais c'est mal. Horrible ces chaussures. Je crois que dans le 16e ils sont grave punis parce que ça ne s'arrête jamais. Du coup, en ce moment, vu que hier j'ai vraiment eu la migraine, je me suis décidée à manger sain cette fois-ci. Donc là, j'ai acheté des fruits, des clémentines, des garillettes. J'en avais trop envie. Donc voilà, je vais commencer à prendre soin de moi parce que la santé, c'est trop important. J'ai essayé d'arrêter le sucre. C'est vraiment mauvais pour la santé. C'est comme une drogue en fait. C'est pire qu'une drogue. Et on ne le dit pas assez. Là j'ai un petit rendez-vous, je vais juste à récupérer deux pièces et ensuite je dois aller à Ivry pour découvrir un bureau de presse que je ne connaissais pas. Donc j'espère que je vais trouver de belles pièces parce que c'est archi loin et j'ai l'impression que je me suis tapé tout Paris aujourd'hui. Je vous montre la fraise que j'ai achetée. Elle est trop trop belle, trop parfaite. Regardez-moi comme elle est belle. Magnifique. Là, je dois faire toute la ligne jusqu'à Reuilly-Pitreau. Ouais, ça j'ai vu. Ça va être tout ce qui est cargo, veste un peu loose, nouveau modèle imprimé, etc. Bah, elle aime vert, donc elle va vous remercier. Et cette collection là aussi qui est une nouvelle marque de, fin, du même propriétaire. D'accord. Donc ça aussi pareil, ça va être un petit peu street. Très lumière. Ça. Hop.
vois. Trop stylé. Ah, des ensembles habillés, mais tu vois qu'ils sont un peu style kimono, un peu dans les coups, un peu de ce qu'on aussi. T'as ça aussi, ça, ça fait beaucoup. Pour le côté un petit peu street et tout. Ouais, ça c'est très sympa. Je me retrouve avec tous ces sacs, j'en peux plus. J'ai fini, ça y est, là je vais chez Ariane, je vais tout déposer. Je suis HS, genre j'ai mal partout. Ça y est, je suis pas rentrée. T'es content? Ouais. Tu vas me faire un petit massage? J'ai mal au dos. Hein? J'ai mal au dos. Bye bye. Bon, je suis rentrée, j'ai retrouvé Julianne. Et je vais lui lire une petite histoire. Demain, c'est la grève, donc on va faire une petite grasse mat. Et demain, je vais à l'école faire une poupée dans le journée. Non, demain, c'est fermé, Julianne. C'est vendredi, vendredi, tu pourras y aller. Ça va être la catastrophe demain pour moi, je sais pas comment je vais faire. Tu vas faire ? Cette fois, les cinq cousins se retrouvent dans la forêt de Pimpon. Pimpon, Pimpon, n'arrête pas de chanter Maëlle. T'as besoin de monter ? Montrer quoi ? Ça, ok, bah moi je tourne la page et toi tu te dis... Moi, je lis comment, Julienne? Hein? Ben, c'est moi, je lis. Ah bon, tu sais lire? Non. Bon, ok.